Salut à tous les amis, c'est Kardex et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur Minecraft. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, un super tuto d'un trampoline park sur Minecraft. J'espère vraiment que le tuto va vous plaire. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser le petit like et à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne et à activer la cloche de notification pour être au courant de chacune de mes prochaines vidéos. Donc voilà les amis, après beaucoup de tutos de maison hein, comme vous pouvez les voir ici derrière, donc si vous avez envie vous pouvez même les reproduire. Donc voilà, après beaucoup de tutos de maison, j'ai décidé de reprendre un peu les bâtiments. Et du coup, ici, comme bâtiment, nous allons faire un trampoline park. Donc voilà, moi, je l'ai écrit un peu en anglais. J'ai essayé de donner un titre un peu anglais. Donc, j'ai écrit Jump Park. Et du coup, voilà, il est dans les tons bleu, orange et jaune. Donc là, on est sur l'avant. Je vais vous montrer également l'arrière. Du coup, hop, l'arrière est un peu moins détaillé. Voilà, j'ai mis quelques arbres pour décorer. Donc ici et là également. Et du coup, le toit est un toit vitré, ce qui nous permet d'avoir vraiment de la lumière, enfin beaucoup de luminosité à l'intérieur de notre bâtiment. Et du coup, ce tuto se fera en deux parties. Une partie qui correspondra à l'extérieur et une autre partie pour faire l'intérieur. Donc ici, vous voyez que l'intérieur est fait, il est vraiment très beau. Hein, donc on a ici le petit accueil. Ensuite, ici, on a voilà des petits tapis pour décorer. Là, on a le plus les trampolines pour les enfants, donc j'en ai mis deux. Ensuite ici on a des trampolines un peu plus grands, donc un peu plus sympa pour plus les adolescents. Et ici on a donc le trampoline qui est super moi je trouve, donc c'est tout simplement, regardez, on monte à l'échelle, hop on arrive ici, hop, et là du coup on doit faire un saut pour attraper la corde et on tombe dans les petites boules ici, ça c'est vraiment sympa également. Alors je tiens à dire aussi que dans le tuto j'ai oublié de mettre les petites peintures comme ça pour faire, enfin quand j'ai fait l'intérieur j'ai oublié de mettre les petites peintures, donc retenez-le en tête pour pouvoir vous le mettre. Ça j'ai oublié de le faire, et alors ce que j'ai oublié de faire aussi c'est ici refermer en fait avec le béton jaune. Voilà, je suis un peu désolé d'avoir oublié ces petits détails, mais voilà, je vous le dis maintenant, retenez-le comme ça pour le tuto, vous n'allez pas oublier de faire ça. Du coup voilà les amis, la présentation est terminée, on va pouvoir commencer directement le tuto en espérant que celui-ci vous plaira. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser le petit like, petit défi 300 likes en espérant que vous allez pouvoir réaliser ce super défi. Et on va se retrouver tout de suite pour la création de ce magnifique tuto. Alors voilà les amis, pour le tuto, nous allons avoir besoin des différents blocs que moi j'ai ici, ci-dessous. Donc nous allons prendre le béton orange, le béton jaune, le béton bleu, les vitres teintées en blanc, les feuilles de chêne, les barrières en chêne, les vitres teintées en blanc, donc les verres pardon, teintés en blanc, donc tout à l'heure c'était les vitres, ici c'est les verres teintés en blanc, et également les tapis gris clair. Donc il y aura certainement d'autres blocs qui vont se rajouter par la suite, mais ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, je vous dirai les différents blocs à prendre. Donc vous voyez, moi je me suis mis ici sur ma route. D'ailleurs, on a toutes mes anciennes maisons hein, qui sont là, donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos de la chaîne si vous voulez les reproduire. Et du coup, moi je vais me positionner à environ 15 blocs de la route, donc je vais me mettre ici environ, voilà. Environ 15 blocs de la route pour faire donc ce bâtiment. Donc on commence directement avec le béton orange, je me positionne ici et je vais aller vers la gauche par là, d'accord? Donc je vais ici et je vais faire tout simplement 34 blocs vers la gauche. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Parfait. Une fois qu'on a nos 34 premiers blocs, on va venir ici. Et là, moi, je vais rajouter 28 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Parfait. On va faire la même chose par ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Parfait. Et ensuite, on va ici venir rejoindre nos deux murs. Et du coup, c'est parfait. Une fois qu'on a fait ça, on obtient donc notre rectangle. On va pouvoir revenir sur l'avant. Donc là, on a déjà notre première couche de blocs, et là, on va encore ajouter 10 blocs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc on a rajouté 10 blocs à notre première, donc au total, on a 11 blocs en hauteur, d'accord? Et donc là, ce que vous allez faire, c'est mettre cette hauteur-là sur tous les blocs, et on va se retrouver tout de suite.
Alors voilà les amis, regardez, j'ai donc terminé de faire le rectangle donc jusqu'à la hauteur hein, de que je vous ai dit. Une fois que vous avez terminé de faire ça, vous allez prendre le béton jaune. On va tout d'abord venir ici sur la gauche et on va venir à partir du coin. Ici, on va compter 8 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc ici, on va mettre 3 blocs. 1, 2, 3. Parfait. Ensuite, on revient ici. On vient sur ce côté-là, là on va compter 3 blocs. 1, 2, 3. On est là, et là on va aussi mettre 3 blocs. 1, 2, 3. Parfait. Ici, on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, on vient comme ça. Et on arrive du coup sur l'autre côté. Donc vous voyez, ça nous donne cette forme-là. Cette forme-là, on va pouvoir la monter, regardez. Hop, 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 hop. On arrive là, à la limite, avec le béton orange. Et on va encore pouvoir monter de 2 blocs. 1, 2. On va faire pareil ici. Hop, 1 et 2. Et du coup, vous allez le faire sur l'ensemble ici. Vous allez faire ça et on va se retrouver tout de suite. Fait pas tout de suite. Enfin, pas tout de suite. On va d'abord faire la même chose de ce côté-ci. Du coup, on vient ici. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parfait. Et on fait la même chose. Donc, on en met 3 au total. Là, pareil. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, hop, et on revient. Et du coup, on a la même forme, d'accord? Donc on a fait ça sur les deux coins, ici et là-bas. Du coup, là, pareil, hein, on va monter, regardez, encore une fois, hop, hop, 1 et 2. Et là, pareil, 1 et 2. Vous allez faire ça sur l'ensemble de la forme, monter jusqu'à la même hauteur, et on va se retrouver tout de suite. Alors voilà les amis, une fois qu'on a terminé, regardez, j'ai vraiment monté jusqu'en haut les deux formes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement déjà venir au niveau et on va faire rejoindre juste au-dessus, du coup, les formes. Hop, là et là. Parfait, on fait la même chose ici. On vient ici rattacher nos deux côtés. Parfait, et ici, du coup, ensuite, on va, hop, refermer le toit. Et voilà, donc parfait, une fois qu'on a fini de faire ça avec les formes jaunes, on va prendre le béton bleu, on va venir ici, hop, déjà ici, et on va pouvoir faire deux blocs comme ça en hauteur de béton bleu. Donc on vient mettre un bloc sur le béton orange et un bloc juste au-dessus. Du coup là, tout simplement, regardez, je vais mettre ça en accéléré, vous allez voir ce que je vais faire, et on va se retrouver tout de suite. Alors voilà les amis, une fois que vous avez donc terminé ce que j'ai fait, donc vous avez pu voir, j'ai mis ça en accéléré, mais c'était assez facile à comprendre, donc il fallait juste faire deux formes bleues comme ça qui contournent en fait tout le orange, hein, tout simplement. Alors ensuite, vous allez prendre les verts teintés en blanc, et vous allez tout simplement du coup mettre du vert pour refermer le toit, donc tout simplement vous allez faire ça sur l'ensemble du toit à ce niveau-là, donc au niveau du béton bleu. Vous faites ça sur l'ensemble du toit, on va se retrouver tout de suite une fois que ça sera fait, donc vous allez voir ça, à tout de suite. Alors voilà les amis, j'ai donc terminé de mettre tous les blocs de verre teintés en blanc sur la toiture, donc une fois qu'on a fait ça, on peut maintenant, si vous voulez, prendre les tapis bleus, donc hop, ils sont ici, donc moi je vais en mettre tout simplement sur les blocs de béton bleu, regardez ici pour vraiment faire une petite dénivellation. Donc ça c'est pas obligatoire, c'est vraiment si vous voulez le faire. Et moi de base aussi ce que j'avais fait c'est que j'avais mis des tapis gris clair sur les verts. Donc ça je vais pas le faire avec vous, mais on peut le faire également. Donc c'est tout simplement, regardez, je vais vous montrer après ce qu'on peut faire avec les tapis gris clair.
Et du coup, là, c'est aussi vraiment un truc que vous pouvez faire, mais moi, je vais pas le faire, hein, personnellement. Mais ça peut être sympa aussi pour recouvrir le toit tout en gardant la luminosité à l'intérieur du bâtiment. Du coup, regardez, moi, hop, ce que j'avais fait, c'est tout simplement, de base, j'avais recouvert, vous voyez, tout ça ici, avec le tapis gris clair. Donc ça, c'est pas obligatoire. Moi, je vous donne juste des conseils. Vous les suivez ou pas, c'est comme vous voulez. Donc voilà, moi, j'ai laissé ça comme ça, en tout cas. Et donc, une fois qu'on a fini de faire ça maintenant, on va pouvoir maintenant prendre, alors, hop, le béton bleu. On va venir ici, en bas. Alors donc ici les amis, on va tout simplement reprendre le béton bleu. On va venir à partir du quatrième bloc. Regardez, 1, 2, 3, 4. On vient faire ça et on fait ça également au cinquième. Donc comme ça, parfait. Du coup là, on va tout simplement compter 14 blocs. Donc à partir de là, on compte 14 blocs, regardez. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et donc au 14e, on met du béton bleu qu'on va faire descendre jusqu'en bas. Parfait. Ensuite, on peut remettre du béton bleu ici. 1, 2, 3, 4, 5. Et après, on vient au niveau du 4 et 5e bloc. Et regardez, on va tout simplement faire ça comme ça. Parfait. Ensuite, on va venir sur la droite. Donc ici, là, on va compter 6 blocs. Donc à partir du orange ici, on va compter 6 blocs. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Parfait. Et là, pareil, on descend jusqu'en bas. Et on fait la même chose à partir du bloc ici. Ensuite, pareil, on revient du coup sur le bloc de béton bleu ici. Pour là et pour là. Et du coup, on obtient cette forme-là. Cette forme-là, on va pouvoir enlever le béton orange qui se situe à l'intérieur ici déjà. Hein. Donc hop, on fait ça jusqu'au bout. Ici, on peut enlever le béton bleu et faire le béton bleu sur encore deux blocs comme ça, et même encore comme ça. Du coup, ça fait au total trois blocs comme ça. Et là, pareil, du coup. Hop, hop, hop. Et on fait ça comme ça. Ensuite, on peut également enlever le béton orange qui se situe juste au-dessus. Et là, pareil, on revient en faisant comme ça. Parfait. Hop là, du coup, une fois qu'on a fait ça, on peut prendre le les vitres teintées en blanc. On va pouvoir venir ici en mettre 3, 1, 2, 3. Ensuite, on va laisser ici, regardez, on va laisser 1 et 2 blocs. Et puis au troisième, donc ici, donc là on laisse 2 blocs pour rentrer. On va mettre également des vitres teintées en blanc jusque le mur en bleu ici. Et on va faire ça aussi sur 3 blocs en hauteur. Hop. Et ici, comme ça. Voilà, parfait. Une fois qu'on a fait ça, on a fini pour l'entrée qui est là. Maintenant, on garde toujours nos petites vitres teintées en blanc. Et sur toute la face orange ici, on va à chaque fois faire des petites vitres de un bloc, regardez. En mettant, regardez, des blocs un peu au hasard sur la façade. Donc moi, c'est vraiment au hasard. Il n'y a vraiment pas d'endroit propice. C'est vraiment fait comme ça, vraiment au fun. Hop, regardez, voilà. On fait ça du coup sur l'ensemble de la façade. Je vais mettre ça en accéléré et on va se retrouver tout de suite. Alors voilà les amis, j'ai donc terminé de tout mettre, donc des vitres teintées en blanc sur l'ensemble des deux faces ici. Je ne le fais pas pour la face arrière, je préfère la laisser vide. Mais si vous avez envie de le faire, vous pouvez toujours le faire, hein, c'est vraiment comme vous voulez. Moi je préfère pas le faire. Hop, du coup on revient à l'avant, on va pouvoir déjà prendre les feuilles de chêne. On va venir au niveau de la base des formes jaunes et on va mettre comme ça des feuilles de chêne en entourant. Donc la forme comme ça. Hop, et on va faire du coup pareil pour l'autre. Et voilà, parfait. Du coup, une fois qu'on a fait ça, on peut maintenant prendre la terre cuite jaune. Hop, et on va venir sur les deux formes jaunes. Hein. Vous voyez que ces deux formes jaunes, ça fait un peu vide.
Du coup, moi, je vous propose de venir avec la terre pigeonne et venir mettre quelques petits détails, par exemple, en faisant, regardez, vous voyez, des petits détails comme ça, en mettant deux blocs à chaque fois. Hop, comme ça, parfait. Du coup, on fait ça sur l'ensemble, hein. C'est vraiment, encore une fois, là, pareil, un peu au hasard, hein, ces petits bouts de terre pigeonne. Vous faites ça vraiment sur l'ensemble de la forme, et vous faites vraiment au hasard, du coup, hop, parfait. Du coup, je l'ai déjà fait sur celui-là. Du coup, on va faire pareil pour ici. Hein. Hop. Parfait, comme ça. À la limite, pour ici, on peut faire comme ça. Voilà, pourquoi pas. Ok, du coup, on va laisser comme ça, voilà. Et pour ici, pas vraiment. Enfin, je pense pas que ça soit nécessaire de le faire. Après, vous pouvez toujours le faire, par exemple, comme ça. Hein. Ça, c'est comme vous voulez, voilà. Ça peut être intéressant également. Hop. Comme ça, pourquoi pas. Vraiment, c'est à vous de décider. Hop, on peut encore en mettre ici, par exemple. Voilà, c'est parfait. Du coup, là, je pense qu'on est pas mal. Hein. Ouais, d'ailleurs, on peut le faire ici également, du coup. Hein. Hop. Parfait. Ici. Et encore une fois, pourquoi pas, ici en bas. Voilà, on va laisser ça comme ça. Je trouve que c'est intéressant. Voilà, parfait. Et du coup, on va faire la même chose sur l'autre forme. Je vais mettre ça en accéléré et on va se retrouver tout de suite. Et voilà les amis, j'ai donc terminé de faire ça sur donc les deux formes. Hein. Voilà. Du coup là, nous avons quasi terminé pour ce qui est de l'extérieur, hein, du coup de ce magnifique trampoline park. Du coup, on va venir déjà ici et on va mettre des petits arbustes comme ça ici, tous les deux blocs. Voilà, on fait ça comme ça, avec les barrières et les feuilles de chêne. Donc parfait. Et ensuite, là, nous avons terminé, du coup, là, pour le toit également. Donc là, ensuite, pour l'arrière, moi, j'avais pas mis de décoration. Personnellement, ce que je ferai, c'est que je prendrai ici des petites pousses de chêne avec, hop, de la poudre d'os. Et je viendrai mettre ici, regardez, des petits arbres, là. C'est vrai que j'en mets assez rarement dans mes constructions. Mais je me suis dit, pourquoi pas, regardez, tous les 5 blocs, on va en mettre 1, 2, 3, 4, 5, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, hop, on va faire pareil par ici, 1, 2, 3, 4, 5, hop, 1, 2, 3, 4, 5, hop, attendez, je vais regarder, parce que là, j'en ai mis deux blocs d'espace, est-ce que là, j'ai fait pareil, ouais, ok, là, pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, et 5, hop. Du coup, on va faire pousser ça et on va voir ce que ça donne. Voilà, en espérant que ça n'a pas poussé à l'intérieur. Ok, donc là, c'était pas prévu. C'est pas grave. Hop. Voilà. Bon, là, je pense que c'est un gros, du coup. Ouais, je me suis douté. C'est pas grave, on ira voir si ça n'a pas poussé dans l'intérieur. Du coup, voilà, ça change un petit peu. Au moins, il n'y a pas toujours que de la végétation à terre. Du coup, là, ça fait, c'est bien aussi de mettre de la végétation comme ça un peu plus grande. Du coup, je vais aller voir si ça n'a pas poussé à l'intérieur. Ça n'a pas l'air, du coup, c'est top. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter de la poudre d'os ici au niveau du sol, tout simplement, pour ajouter encore un peu plus de végétation. Hop, parfait. Et voilà. Du coup, voilà, l'arrière, c'est parfait, c'est fait également. On peut revenir à l'avant. Du coup là les amis, ce qu'il nous reste à faire, c'est tout simplement marquer le mot Jump Park ici avec les bannières, et on va donc se retrouver tout de suite pour faire cela. Alors voilà les amis, donc pour faire le mot Jump Park, nous aurons besoin de 7 bannières bleues, de 64 plus encore 64 lapis-lazuli et encore de 64 de poudre d'os. Donc j'ai pris beaucoup ici des colorants, donc tout ça ici j'en ai pris beaucoup pour être sûr d'en avoir assez, hein, donc c'est normal si on a beaucoup. Du coup, on a aussi besoin de la table de craft, voilà, voilà.
Et donc coup, on va commencer tout de suite. Donc on vient ici, on va mettre une bannière bleue. Du coup, hop, on en met une au milieu. Ensuite, on met ici de la poudre d'os. Hop, ici sur la gauche, on va en mettre 3 comme ça. 1, 2, 3. Parfait. Ensuite, on prend donc la bannière à droite, on la met. On va mettre ici 6 blocs de lapis lazuli comme ça. Pas comme ça, pardon. C'est pas comme ça, c'est l'inverse. En fait, c'est de lapis lazuli, c'est en haut. Du coup, voilà, comme ça. Donc, on met... Hop, ça en bas, et les lapis lazuli, on les met sur le haut. Parfait, on reprend donc notre bannière, on reprend ici la poudre d'os, on va venir ici en mettre, hop, 1, 2, 3. Parfait, on reprend la bannière, et on va venir ici remettre de la poudre d'os, 3 comme ça, et du coup, voilà, nous obtenons la lettre J. Donc soit vous la laissez comme ça, soit vous la remettez au milieu, et vous mettez du lapis lazuli. Hop, comme ça, moi, c'est ce que je vais faire tout autour. Parfait. Et du coup, là, on a bien notre lettre J qu'on va pouvoir déjà venir mettre. Donc, on va la mettre vers... hop, c'est vrai que ça, j'ai pas regardé. On va la mettre ici au niveau du milieu, ici. Hop. Voilà la lettre J. Parfait. Ensuite, pour le U, c'est très simple. On revient ici. On va reprendre une autre bannière. Hop. On va la mettre au milieu. Hop, hop. Alors, attendez... voilà, parfait. Ensuite, on prend de la poudre d'os. On va venir en mettre 3 à droite. On va en mettre 3 à gauche. Et on va en mettre, hop, 3 au milieu. En niveau du bas, comme ça. Parfait. Donc là, on a notre U. Encore une fois, pour qu'il soit un peu plus petit, vous pouvez donc prendre du lapis lazuli et venir en mettre tout autour. Du coup, notre U, voilà, est un peu plus petit. Ça, c'est vraiment comme vous voulez. Hop, je vais venir le placer ici. Parfait. Donc on a le J, on a le U. Hop, maintenant on va devoir faire le M. Alors on va donc prendre une bannière qu'on va venir mettre au niveau, pas au milieu, mais juste au-dessus, donc là au niveau du haut. On prend de la poudre d'os, on va venir en mettre une, deux, trois, alors pas comme ça, mais hop, comme ça, sous forme de triangle inversé. On va prendre les bannières bleues, hop, on va reprendre maintenant le lapis lazuli, on va en mettre 3. En triangle comme ça. On reprend. On va mettre de la poudre d'os ici. 1, 2, 3 là. Parfait. On reprend. Et on en met également 1, 2, 3 sur la gauche. Ensuite, on reprend le M. On le remet au milieu. Et on met du lapis lazuli comme tout à l'heure. Tout autour comme ça. Parfait. Et on a donc notre M qui est fait. Voilà. Donc là, on a déjà le J, U et M. Maintenant, on va faire le P. Donc là, on prend une bannière, hop, on va prendre de la poudre d'os, on va en mettre ici 1, 2, 3, parfait. Puis on va mettre de la poudre d'os ici, voilà, parfait. On va en remettre au niveau du milieu, regardez comme ça, voilà, hop, parfait, donc on obtient ça. Hein. Ensuite, on va en mettre ici sur la droite, on obtient ça, et ensuite on va mettre... un lapis lazuli comme ça. Parfait. Et donc ensuite on va mettre du lapis lazuli. Hop, tout autour encore une fois. Comme ça, parfait. Du coup là on a notre P. Parfait. Donc c'est vrai que sur le P il y a un truc un peu bizarre. C'est qu'il y a une petite ligne comme ça qui revient comme ça. Mais bon, c'est pas trop dérangeant. On voit quand même que c'est la lettre P, hein, bien évidemment. Ensuite on va pouvoir faire la lettre... j'ai un trou de mémoire. J'ai un petit trou de mémoire. Jump Park, donc ouais, la lettre A. J'ai eu un gros trou de mémoire. Là, ce qu'on peut faire, du coup, c'est reprendre les bannières bleues. On va en mettre, hop, une au milieu. On va mettre de la poudre d'os ici. 1, 2 et 3. Parfait. On va en mettre également sur la gauche. 1, 2 et 3. Voilà, on va pouvoir en venir en mettre, hop, au niveau du haut. Comme ça. Donc là, nous obtenons là. Et on va pouvoir venir en mettre au niveau du milieu. 1, 2 et 3. Parfait. On obtient le A. Et là, pour encore une fois qu'il soit un peu plus petit, hop, on va venir mettre du lapis lazuli tout autour. Parfait. Voilà. Nous avons donc la lettre A. On la met ici. Parfait. Ensuite, nous allons pouvoir faire la lettre R.
Donc pour le R, encore une fois, nous prenons une bannière, hop, qu'on vient mettre au milieu. On va pouvoir mettre de la poudre d'os en haut, 1, 2, 3. On va pouvoir en venir en mettre ici à gauche, 1, 2, 3. Puis on va venir en mettre en oblique, regardez, hop, 1, 2 et 3 comme ça. On prend ici et on va mettre maintenant du lapis-lazuli tout autour comme ça. Parfait, du coup là on obtient la lettre R. Ce qui est dommage avec la lettre R, c'est qu'on n'a pas hop, on n'a pas le trou au milieu, mais bon, ça c'est pas trop grave à la limite. On remarque quand même que c'est la lettre R. Du coup là je vois qu'on a plus que 4 poudres d'os, du coup on va en reprendre un petit peu, hein. C'est vrai que j'ai peut-être pas dit d'en prendre assez. Du coup là on va reprendre un peu de poudre d'os et maintenant on va s'attaquer à la lettre Q. Pas la lettre Q mais la lettre K, pardon. Du coup là, encore une fois, on prend notre dernière bannière et on va prendre de la poudre d'os qu'on va venir déjà en mettre 3 ici à gauche. Parfait. Puis on va venir en mettre 3 en oblique comme ça. 1, 2 et 3. Hop, et puis on va venir en mettre 3 en oblique, mais comme ça. Hop. Parfait. Donc on obtient le K. Et là encore une fois, pour qu'il soit. Voilà, un peu plus petit. On reprend le lapis lazuli. Et encore une fois, on vient faire ça comme ça. Parfait, on a le K. Et on va pouvoir venir le mettre comme ça. Voilà, donc là j'ai mis le mot en anglais, un jump park. Si vous voulez qu'il soit en français, par exemple le C, au lieu de faire un K, vous faites un C1 ici, c'est pas très difficile. Du coup voilà les amis, le tuto extérieur est terminé. N'oubliez pas qu'on va faire un tuto intérieur. Donc soyez là pour l'épisode 2, ça me ferait vraiment plaisir. En tout cas les amis, j'espère vraiment que le tuto vous a plu et que la fin, en tout cas l'épisode 2, va vous plaire par la suite. On se retrouve assez vite pour de prochains tutos, de prochaines vidéos sur la chaîne. Les amis, c'était Gradex, salut à tous !